Bonjour, je suis le docteur Dragan Milkovic, médecin généraliste, médecin du sport et médecin urgentiste et également médecin conseil à la MACSF. L'année 2019 est surtout marquée par des réclamations concernant des pathologies cardiovasculaires ou abdominopelviennes avec des présentations atypiques dont le diagnostic n'a pas pu être établi immédiatement. Et également classiquement pour des prises en charge urgentes en traumatologie. Les pathologies médicales ou chirurgicales de présentation complexe, non diagnostiquées immédiatement aux urgences, ont été responsables d'un retard de prise en charge et se sont parfois terminées de façon dramatique. Ainsi, deux cas de thrombophlébite cérébrale, plusieurs cas de cardiopathie ischémique à présentation complètement atypique, un cas d'endocardite infectieuse et plusieurs cas de douleur abdominale sans signe de gravité initiale qui se termineront secondairement au bloc opératoire. Les réclamations de traumatologie d'urgence concernent environ la moitié des réclamations et correspondent soit à des lésions osseuses non diagnostiquées initialement, le plus souvent finalement sans conséquence, soit à des plaies qui se compliquent secondairement d'infections, laissant parfois des séquelles définitives. La médecine d'urgence, spécialité difficile, nécessite une bonne communication du médecin urgentiste avec ses patients, mais également avec ses collègues pour les avis spécialisés. Un dossier médical bien tenu permet de tracer la bonne prise en charge initiale. Une information exhaustive et des consignes de sécurité écrites et claires pour les patients qui repartent à leur domicile sont toujours nécessaires. Tout ceci permet de gérer au mieux secondairement ces situations complexes.